Wesh les gars, t'es bon, c'est venu, la vidéo s'est postée aujourd'hui. Vous m'avez harcelé sur Twitter, sur Insta, sur Twitch. Vous m'avez menacé par cette vidéo setup, les gars. Aujourd'hui, je la tourne, je suis avec le poteau Gabriel qui est derrière la caméra. Wesh, ça dit quoi? Oh putain, j'avais essayé de le baiser, mais c'est pas grave. Let's go. Les gars, savoir que ce setup là, je l'ai amélioré au fur et à mesure avec les années de stream, tout ça. Et Meshoué m'avait déjà passé des petits trucs, je voulais dire le stream deck et tout, c'était Meshoué qui m'avait passé. On m'avait un petit peu aidé, tout ça. Aujourd'hui, je suis content de mon setup. Bon, c'est pas le meilleur setup de tous les temps, tu vois, de fou. Mais ça me suffit à stream, à pas bugger quand je joue. Vraiment, c'est fluide. Et vas-y, vous allez voir ça. Let's go, baby. En même temps, vous allez voir ma chambre. C'est là où tout se passe. C'est là où je dors, je. Ken pas, je suis puceau. Et oui les gars, faut le savoir. Mais plus sérieusement les gars. Voilà, alors déjà, on commence par les trucs les plus guaises de ma chambre. Le lit, un bruit miteux. Vous entendez? Craque de fou. Bref les gars, je me tourne, carrément je me tourne, j'ai peur de réveiller les darons quand je me tourne. Bon, plus sérieusement là c'est mon lit. Lit double simple, cadran de vie, dégueulasse frérot. Vraiment, on va pas se mentir les gars, hein, c'est. Hein. En parlant de Hess. Filme la télé, parce que la télé les gars c'est effrayant. La télé c'est effrayant, ce n'est même pas une Smart TV. En vrai elle est grande, va aller sur Netflix ou un truc comme ça. La Play 4 d'ailleurs, petite scuff, hein, on en parle. Scuff, vous me l'avez envoyé, petite scuff. Peur des cerisiers pour les anciens qui jouent à BO2, connaissent ce petit camouflage. Du coup les gars, c'est la Hess, on n'a pas de Smart TV, qu'est-ce qu'on fait? On allume la Play, on la connecte à internet. Et après on peut aller sur Netflix, YouTube et tout. Voilà, c'est ma petite technique pour regarder la télé. Avec ça, pour le son, là je peux vous dire que c'est pas des lol. Même Gazo, même Nino, il a pas ça dans son studio, poteau. Vas-y, viens, approche-toi. Filme cette barre de son, Samsung. Les gars, elle a un son, ça vous choque. Vraiment, ça vous choque. Et en plus, regardez, elle est ralliée à quoi? Elle est ralliée à une basse qui est là. Vas-y, je te laisse la filmer. Basse Samsung. Les gars, je vous jure, vie de ma mère, je mets au max. Les voisins, ils pètent leur tête. Quand je vous dis, ils pètent leur tête, c'est carrément, ils viennent sonner. Alors qu'il y a Jo en train d'écouter la vie qu'on mène de Nino dans la chambre. Je pense qu'on a fait le tour, hormis le setup. Ah oui, vas-y, tu peux filmer. Non, filme vite fait. C'est un peu le bordel. Mais bon, on va pas se mentir, là, il y a la box. Mais sinon, t'as vu tout ce qui est déo, parfum. Petite anecdote, j'avais énormément de jeux de Play 3. Vous savez, je les avais ramenés où? J'ai ramené mes jeux de Play 3 chez Micromania. Au moins 30, hein, des Call of, des trucs et tout. Ma mère, 25 balles en bonbon cadeau Micromania. Je me sens persécuté. Je suis un être sensible. Là, c'est mon armoire, c'est là où à mes habits. Attends, je vais vite fait. Peut-être ça va être le SGA, je sais pas. Non, ça va, c'est rangé. C'est pas trop le SGA. On va passer à ce qui vous intéresse tous. Mon setup, les gars. On va commencer par le PC de stream. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, le boîtier, c'est un NZXT. La carte graphique, c'est une MSI 2070. Normalement, il y a un écran, je sais pas pourquoi. Je crois que j'ai tellement tapé sur le bureau que l'écran, il marche plus. Mais je crois que c'est un NZXT aussi. Les barrettes de RAM, c'est du G-Skill. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Les gars, ma voix, qualité Netflix. On a un micro Blue Star, je crois de mémoire, avec une araignée et tout. Les gars, je vous jure, c'est une qualité de taré. Petit câble XLR. Ah, Rod, il est bien ça. Je crois que je laisse le micro comme ça et je touche à rien. Le petit stream deck que Meshoué m'avait donné à l'époque, quand je commençais les lives, c'est le gâteau, les gars. Donc ça me sert à quoi? On balance des petites pubs. Hein, vous criez dans le chat quand je suis en live. C'est pour mettre des musiques. Par exemple, tu sais, quand je live, on est en fin de zone. Fortnite Boom, musique épique, c'est là. Bref, là, il y a des trucs, la musique du rat, Elon Musk, tous les trucs là. Les lumières, je peux allumer, etc. Là, c'est les scènes. Bref, voilà, les gars, on peut tout mettre sur un stream deck, c'est lourd. Après, si tu stream pas, ça pue la merde. Bon, en même temps, stream deck, c'est un peu normal que c'est pour streamer. Ensuite, les gars, mes souris, ouais, parce que j'ai deux souris, parce que effectivement j'ai deux PC, d'ailleurs un PC de jeu. La pièce maîtrise du setup, ça c'est ma souris pour le PC de stream. Donc voilà, petite G Pro Super Light. Merci Logitech, hein, c'est eux qui m'avaient envoyé les souris. G Pro Super Light White. Faut savoir les gars que je transpire des mains. Quand je joue, je transpire des mains, donc me voyez pas comme un crado, mais t'as capté. Hein, le jeu il stresse, il est en fin de zone. Les gars, le clavier qui est pour moi l'un des meilleurs claviers du moment, vous le savez, c'est le Apex Pro TKL. Écoutez ce bruit. Le bruit est trop satisfaisant. Je vais pas vous dire pourquoi, mais vous savez. Hein. Le clavier du PC de stream. Donc là, bien sûr, c'est PC de jeu, PC de stream. C'est un Kraken. Donc en vrai, regardez, le câble, il est grave stylé. Je sais pas si vous voyez le câble violet là. Finalement, je le trouve trop stylé. Et je m'en sers pour le PC de stream. Donc vas-y, je l'utilise pas trop. Mais t'as capté quand il faut écrire sur le PC de stream. Voilà, voilou. Les gars, ensuite, l'écran Alienware 240R. Regardez, il y a une petite tête stylée. Elle change de couleur. Même, il y avait un pied grave stylé avec des lumières. Moi, je l'ai enlevé parce que j'ai mis des porte-écran. Ouais, c'est pour porter l'écran. Il y en a deux. Donc un pour l'écran du PC de jeu et un pour l'écran du PC stream. Derrière l'écran du PC stream, c'est quoi les gars? C'est un BenQ 144 Hz. Voilà, donc en vrai pareil, je m'en sers pas trop, mais il me sert de fou. Genre en mode, je vais pas trop sur YouTube parce que regardez, il est debout. Du coup, c'est grave dégueulasse si tu regardes une vidéo YouTube et tout. Mais je m'en sers vraiment que pour le chat, pour mon retour. Bah là, comme vous voyez, mon retour Streamlabs, tout ça avec le chat sur le côté, les subs. Et en vrai, il me sert de fou. Il y a le Discord dessus, je vois tout. Et grave bon écran, grave bonne qualité. Rien à redire sur ça, les bros. Rien à redire. Ensuite, tapis de souris, c'est important. Même tu sais, pour tous les joueurs pro, moi je suis joueur pro, hein. Faut le savoir, joueur pro Fortnite. En fait, là, j'ai un tapis de souris Logitech rose. Donc ouais, j'aime bien le
le rose, les gars. Ok, les gars, on a un autre tapis de souris Kraken cette fois-ci aussi. Il y en a deux. On a un bleu là, un rose ici. Donc là, c'est juste vraiment pour décorer, les gars. Pour décorer, je les trouve stylés en plus. Bien sûr, quand on a un double PC, c'est important de quoi ? D'avoir une table de mixage, une table son qui est juste ici. Donc là, par exemple, ça va me permettre de muter le micro, muter le son que je veux, etc. Monter, augmenter pour le stream, pour mes oreilles. Qui est rallié d'ailleurs, en parlant d'oreilles, à mon casque G Pro X. En vrai, les gars, lourd, je suis à l'aise quand je suis dedans, j'entends bien. Et en vrai, il est stylé. Hein. Basique, ouais, efficace. Basique, simple, noir et argenté un peu, je le trouve stylé. Après, je vous mens pas, je le mettrai pas dans le bus. Parce que là, si tu veux pas pécho de meuf, vas-y, mets ça. Si tu veux pas pécho de meuf, mets ça. Hein, de chasseur, bon, c'est pas encore Razer, mais quand même. T'as capté. Les gars, PS5, donc il faut savoir, grave dur à avoir. Moi je sais pas si en ce moment elle est plus facile à avoir. Comment je l'ai eu? Donc c'était Anif de la Daronne. J'ai vu un pack Sony avec une télé. Je me suis dit les gars, pack Sony avec la télé plus la Play 5, c'est le moment de régaler la Daronne et de régaler le jeu. Donc je l'ai surtout acheté pour me faire les cup play, etc. Mais en vrai, de ce que j'ai utilisé, elle est bien. Elle est bien, elle est bien. Et c'est le moment tant attendu. Où dans le chat on me spam. On me dit Jo, c'est quoi ta config? Point d'exclamation config dans le chat, etc. C'est le moment de vous montrer ma config. Ça c'est ma putain de fusée les mecs. C'est ma putain de fusée. Alors je vais vous dire un peu les composants, pareil, ça va s'afficher sur l'écran de toute façon. RTX 3090 Ti, je peux vous dire. Ça, c'est de la carte graphique, les gars. Le processeur Ryzen 9 5950X. Le water cooling, c'est un Arctic X, je sais pas quoi. Ice cream, frère, on dirait le nom d'une glace chez Burger King. Bref, barrette de RAM, G-Skill 16Go de RAM. Alimentation 1000 watts. Et le boîtier Corium, je sais plus quoi. Bref. Ok, les gars, maintenant niveau éclairage. Niveau éclairage, qu'est-ce qu'on a? Je vais vous montrer une Streamlight Elgato. Il faut savoir que la Streamlight Elgato, c'est Elgato qui m'a envoyé, donc il m'en a envoyé deux. Il y en a une ici, une là, une autre avec un pied. Le pied il est là-bas. En fait, j'ai tellement tapé dans le bureau, les gars, que ça s'est cassé. Ça s'est cassé, mais c'est solide. En vrai, c'est solide. C'est juste moi, je suis un gros rageux, les frérots. Donc, voilà, niveau éclairage, on a ça. Ensuite, ce qui me sert à filmer, à me voir en live, c'est un appareil photo. Tu peux te rapprocher. Sony 6000 au KO. Donc, ça, c'est ce qui sert en live, à me voir. Moi, même si j'ai envie de vlog ou quoi, je peux le prendre. Vas-y, c'est trop galère. Donc, on filme avec l'iPhone, hein. Ici, c'est la HES. Ah oui, j'ai oublié pour le PC. On a aussi une télécommande. On peut changer toutes les couleurs, mettre des modes. Je peux mettre vraiment toutes les couleurs que je veux, ça j'avais oublié de le dire. Ensuite, manette de Play 5, on l'a vu, ça va avec la Play 5. Bon, c'est un peu logique, je suis con. Ensuite, le Mac. Les gars, le Mac, à quoi me sert le Mac? C'est si je pars en voyage, si je bouge, ou même dans mon lit, des fois, si j'ai la flemme d'allumer la télé avec la Play 4, tout ça. Mettre ma petite série sur ça. En plus, regardez comment c'est stylé à l'empreinte, les gars. Putain, est-ce qu'en 1970, un jour, les gars, on s'est dit qu'on allait, je sais pas, déverrouiller avec une empreinte? C'est une dinguerie. Et en vrai, c'est un MacBook Pro, grave lourd. Bon, c'est peut-être un peu cher pour ce que c'est, les gars. Vas-y, je m'en sers pour. Si je dois bouger, etc., je le prends. Voilà, voilà, c'est lourd. T'as pas parlé de ça. La vie de ma mère, les gars. J'avais un stabilisateur, d'ailleurs, c'est avec ça qu'on aurait dû filmer. Je sais pas ce qu'il y a eu. On va faire marcher la garantie. Hein, je suis pas un pigeon, les gars. Toujours, on va faire marcher la garantie, il y a une couille avec ça. Jamais il y a une couille. Donc, ça me sert à pas quand il y a des lives IRL, ça soit grave stable. Et niveau petit produit Apple que j'ai, AirPods Pro. Donc, pour la muscu, pour de fou, j'entends grave bien. La qualité, elle est grave bien. Petite Apple Watch, je crois que mon daron l'avait reçu gratuit avec un truc d'assurance de pare-brise. Aucune vanne, les gars. Je vous mens pas que je la mets, je l'ai quasi jamais mise. C'est pas trop mon délire. Mais en vrai, elle peut servir si tu, quand tu cours, tout ça. Là, on a ça pour la petite déco. Game Room. Une petite barre de LED Action à 30€. C'est posé un petit peu à la Zub. Hein. On va pas se mentir, les gars, c'est posé à la Zub. Là, on a des trucs AliExpress, les gars. Le Wish. Un petit nuage, un petit éclair. Mais je vous jure, les gars, niveau déco, ça pue un peu du cul. Mais je vous jure, en live, ça rend trop bien. La vie de ma mère, petite plante de chez Action, bien sûr. T'es une fausse, les gars, hein. J'ai pas la main verte, petit colis Fortnite, ceux qui reconnaissent, hein, le petit drop qui tombe du ciel. Ça veut dire quand j'ai acheté ma petite chaise Fortnite, et parlons-en, qui est juste ici, les gars. Secret Lab me l'avait envoyé, voilà, Secret Lab collab avec Fortnite. Il y a un big bus, comme vous pouvez voir juste ici, un big bus, tu sais, quand tu drops tout ça. Je peux l'allonger, je peux me mettre bien, franchement, je peux me mettre bien, même me pignouf dessus, je l'ai jamais fait. Bon, je m'en rappelle, je l'ai déjà fait. Et vas-y, Théma, il y a un petit détail là, Victoire Royale, t'es aimanté, et vas-y, en vrai, c'est lourd. Et d'ailleurs, en parlant de... J'ai bégayé. En parlant de siège, je vais vous montrer un siège que j'ai reçu et que j'ai pas encore testé. On va voir ce que ça donne. À skip, c'est le summum du siège. C'est le summum du siège. Ok, les gars, du coup, là, c'est le siège que j'ai reçu. Venez, je vous le montre. C'est la collab Logitech X Herman Miller. C'est leur nouveau siège à skip. Bah là, regardez. Bon, je sais pas, il y a pas trop de lumière. Mais voilà, c'est des trucs qui soutiennent le dos. Bah, c'est des trucs grave ergonomiques. J'ai pas encore testé. Je vais la tester. Les gars, je vais la tester très prochainement. On va voir ce que ça donne. À skip, c'est une dinguerie. Je vous en dirai des nouvelles. Voilà, les gars, et je crois avoir fait le tout. Et oui, j'ai un giveaway pour vous. Donc les gars, très très simple, moi je vais pas demander d'aller abonner à mon compte Telegram, je sais pas quoi, les gars, c'est grave con. Vous êtes abonné à la chaîne YouTube, tu lâches un petit like, tu lâches un petit commentaire, petit giveaway du clavier Kraken, vas-y. Clavier Kraken avec le câble, etc, grave stylé, tout ça. Celui-là il est pour vous, il est tout neuf, hein. Et plus un tapis de souris, donc au choix, soit en bleu, soit en rose, plus un clavier pareil avec les couleurs que vous voulez, des touches, tout ça, tu peux tout paramétrer. Et voilà les gars, je pense
avoir fait le tour de mon setup, de ma petite chambre. Là on est bien, moi je suis bien dedans. Quand je lance mon live, je suis à l'aise. D'ailleurs en parlant de live, tous les jours en live, vous savez, de 18h à 2h, 1h30 du matin. Donc tous les jours, voilà, restez branchés, restez à l'affût. David is.